toi. Voilà Juliette, l'Amstel Gold Race, on y est, cette course de côte, ce tourniquet, une course qui doit te convenir hein, tout particulièrement. Oui c'est sûr, on a trois belles cartes avec Fluctue, Liano et moi, donc j'espère qu'on va faire une belle course, et en tout cas c'est un beau parcours avec beaucoup de public, donc juste on va se faire plaisir. Comment tu évalues la concurrence? Il y a évidemment Annemiek van Vleuten qui a la port carte. Mm-hmm. Il y a le gros bloc SD Works. C'est ça. Et vous, après derrière peut-être? Oui, voilà, puis aussi rideau. Kasia Nevadoma et Canyon qui ont une bonne équipe. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment Van Vleuten, Canyon, SD Works, c'est nous. Donc voilà, c'est je pense les principales équipes à surveiller aujourd'hui. Comment tu te sens personnellement? Plutôt bien, voilà, la forme va de mieux en mieux depuis le début de saison. Donc on verra bien aujourd'hui, mais enfin j'espère être bien. C'est un moment important de ta saison quand même, hein, qui se joue ici avec l'Amstel, la mm-hmm. Flèche Brabanson dans 3 jours. Mm-hmm. C'est vraiment les courses de prédilection hein, pour Juliette Labeau. Oui, c'est sûr. Voilà, après, surtout avec la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, mais ça, c'est voilà, Amstel, c'est la première course qui correspond assez bien à mes qualités. Donc voilà. C'est une période de 2 semaines, mm-hmm. contrairement aux autres années. Oui. Ça change quelque chose dans ta préparation ici, dans la gestion des... Pas vraiment, c'est juste que du coup, je rentre chez moi après la Flèche Brabanson et j'ai une semaine à la maison donc, pour refaire un petit peu des bosses entre-temps. Mais voilà, sinon, ça ne change pas fondamentalement quelque chose sur la préparation. Finalement, une bonne nouvelle. Oui, oui, c'est sûr, ça change pas grand-chose. Merci.